important de dire des choses. C'est très important. Vous savez, parfois, quand on est calme, quand on ne dit rien, quand on ne parle pas, ça ne veut pas dire qu'on a peur. Quand on décide de ne rien dire, ça ne veut pas pourtant dire qu'on va devenir, comment je vais dire, une personne sur la toile dont tout le monde va se lever, venir dire ce qu'il a envie de dire, insulter, divaguer, dire des choses, parce que bon, les gens ont envie de parler et ça va être ce que ça va être. Je rappelle d'abord d'entrée de jeu que je suis électron libre sur la toile. Je dis et je réitère, je suis électron libre. La Black Beauty, la maman de la team de la réalité. C'est ça qui est ça. Ça ne chauffe pas. C'est ça. C'est ce que je dis. Et c'est comme ça et ce n'est pas autrement. Voilà. Donc, si mes attitudes, si ma façon d'être, si ce que je suis dérange des gens, c'est leur problème. Je suis une personne libre de mes mouvements, libre de mes postes, libre de ce que j'ai à faire ou à dire sur la toile. Et j'assume ce que je fais. Et j'assume ce que je dis. Vous comprenez? Personne n'a à me dicter ma conduite sur Facebook. Parce que je ne dicte la conduite de personne sur Facebook. Partagez le direct, s'il vous plaît. Je ne dicte la... Donc, pour des personnes qui ont mal, parce que Black Beauty est... ici, parce que Black Beauty aime telle personne, parce que Black Beauty va dire bonjour ici, parce que Black Beauty est comme ça, ça c'est leur problème. Je ne me cache pas. J'aurais été une personne fausse, hypocrite, égocentrique, tout ce que vous dites. Je n'allais jamais utiliser mon nom, ma page ici, pour monter à gauche et à droite. Donc c'est parce que je n'ai rien à me reprocher. Et je pars où j'ai envie de partir. Où je n'ai pas envie de partir, je ne pars pas. C'est un choix. Tout comme les gens qui n'ont pas envie de venir sur ma page ne viennent pas. Et je respecte leur choix. Et je respecte leur décision. Et je n'interdis personne de faire ce qu'il a envie de faire avec tout ce qui se passe sur la Black Beauty sur Facebook. Je ne peux pas interdire les gens. Parce que quand tu viens faire ton blog, tu sais que du jour au lendemain, on peut te lyncher. Tu sais que du jour au lendemain, on peut s'asseoir sur toi. Donc, je n'ai pas de... Je n'ai pas à avoir peur, en ce qui me concerne particulièrement, je n'ai pas à avoir peur d'être insulté, d'être lyncé, d'être ceci, d'être cela ou d'être ça. Ok? Je n'ai pas à avoir peur. Voilà. On va rentrer dans le but du sujet et ensuite, on va écouter. On va y arriver. Voilà. Donc, on va aller. Coucou ma grande soeur. Bonjour, comment vas-tu? On va aller sur la page. Voilà, on ira sur la page. Coucou. Et puis là, je vais mettre la partie qui m'intéresse. Parce que c'est pas toutes les parties ne me concernent pas et ne m'intéressent pas. Je mettrai ce qui m'intéresse et puis on va en parler. Je vais mettre à partir de... Voilà. Et puis, on va en parler. Parfois, le... moi, je suis quelqu'une, je suis très silencieuse. On va envoyer les services d'hygiène chez Dorcas. On va les interdire de manger derrière la maison, là. Merci d'avoir partagé. Vous savez, venir dire que j'ai tapé les parpaings. Ma grâce à ce partage. Je vais pas aller se rattraper sur les parpaings au Cameroun. Les Cameroun. On quitte les États-Unis pour aller au Cameroun de venir vendre des parpaings de déjeuner. Je te dis. Jusqu'à ce qu'il y a combien de ciment? Le ciment d'Angote, le ciment d'Angote peut donner 24 si on ne mélange pas trop. C'est une sorte de ciment dans ta vieille voiture. Je t'ai dit. Tu viens nous nuire. Coucou mon piment rouge. Bonsoir, tarde ta soeur Manuela. Non, que les Bahamas n'avaient pas fait d'enfant. Le terrain là, on avait donné ça à Bahamas. Elle est en train de construire comme ça là sur le terrain de l'oncle de Bahamas qui n'avait pas fait d'enfant. Mais
profiteuse. Si la voix est devenue vendeuse de terrain, et tu connais ce genre d'activité, c'est les trucs de l'acné, on dit chez nous de l'acné, du dormango. Donc tu vas vendre des rangs, on va te donner 50 000. Tu as dit qu'il fait déjà nuit, comme ça, il n'est pas en journée. Tu fais un direct dans la nuit, tu dis que moi, sinon, il s'est fait déjà nuit. Bonsoir, Cynthia. Est-ce que le jour, c'est la nuit? Est-ce qu'elle connaît que le jour, c'est la nuit? Et le bas, là, c'est pas un masque qui boit. Maman, ma soeur, ma grande soeur, tu vas se remettre. Elle t'a lavé l'autre jour. Elle t'a lavé l'autre jour, lavé et rincé. Hein? Une tripolaire comme ça. Et tu as mal à laver dans ta face. Vous êtes où? Tu vas aller la laver. Mmh. Laver, c'est ce qu'on appelle la plante du filet correctement et bien. Tu vas aller la laver. Ah ah. Mais ça, la blague où tu étais là-bas, elle disait que on remettait l'argent de Mahadou. Quand Tata m'a dit qu'elle blague. Elle est floue comme le tout. Elle dégage. Voilà. C'était mon baptême. On va dire ça comme ça. Il se pourrait que moi, j'ai coupé un live là où Mathé a fait un direct et la reine Medio a intervenu dans ce direct. Elles étaient en train de parler de la soirée de j'ai oublié son nom. Coucou. Où elles sont parties là de samedi dernier, pardon. Et après, elles se sont retrouvées au refuge. J'ai pris une partie de ce direct que j'ai mis sur ma page. Il y a des gens qui sont venus intervenir, qui sont venus dire ce qu'elles avaient à dire. Je vais lire. Vous savez que c'est très important, le port du cerveau. C'est très important. Il y a deux Lolomania à force de frappe qui a écrit là que pourquoi tu n'as pas mis le nom de Thérèse sur ton titre. Elle est venue d'abord m'agresser en commentaire. Soit disant qu'il faut que je laisse, que je ne fasse plus des trucs, voilà, de caresses. Soit disant que, attendez, vous savez que moi, je n'ai pas l'énergie à trop faire des choses un genre. On est dedans et on va direct dedans. On va aller dedans. Ça ne chauffe pas. C'est important. C'est elle qui commence, hein. Parce que c'est très important. Je dis, force de frappe, fiche-moi le camp. Fiche le camp de ma page. Tu es malade. Va écrire tes saletés là ailleurs. Merde. Tu ne peux pas réfléchir dans le sens inverse. N'importe quoi. Je discute quelque chose avec Tata Lolo. Tu n'as pas vu les photos que j'ai publiées sur mon mur pour valoriser son commerce. Va commenter ça. Au lieu de penser qu'on va faire ce que vous voulez. Ça, c'est ce que moi, je réponds à cette force de frappe qui est là dans le direct, en commentaire. On y arrive. Voilà Jirès, celle qui vient, qui va parler, celle qui a dit dans le direct ici que Dorcas m'a lavé, que Tiamale m'a lavé. C'est elle qui vient écrire. Maman, tu tourbillonnes. Mais s'il te plaît, laisse Lolo tranquille. Va chercher ta stamania ailleurs. Vu et ignoré. Partage ou Tiamale odontol t'insulte. Est-ce que vous comprenez? Jusqu'ici, on se comprend. Mettez les cœurs, partagez le live. Moi, je viens et je réponds à cette giresse-là. Je lui dis, toi, écoute-moi bien. Je ne sais pas pour qui tu te prends pour passer ton temps à m'insulter. Si ta vie tourne autour de Tata Lolo, alors la mienne tourne autour de moi. C'est obligé d'être avec vous. C'est moi qui lui réponds ça. Respecte-moi comme je respecte votre patronne. Votre patronne vient m'empêcher de mettre ce que je veux sur mon mur, sa part. Je le lui ai dit. Va écrire ça sur les pages de Congossa. Si tu vénères Tata Lolo, moi je ne la vénère pas, mais je la respecte. Regarde-moi une chose comme ça. C'est ce que j'ai écrit. Donc, elles ont pris. Non, mon piment rouge, je ne suis pas dans les clashs. Mais je réponds aux gens qui m'ont insulté, mon chéri. Ils m'ont insulté, elles m'ont insulté hier, toute la nuit d'hier. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'elles ont pris
Mes commentaires, apparemment, et elles ont capturé, elles sont parties donner à la team de Tata Lolo où elles ont fait ce qu'elles ont fait. Parce que dans la suite, vous allez comprendre pourquoi je reviens là-dessus. Elles ont pris ça et puis elles sont allées donner. Et comme elles ont lancé le live, ce qui s'est passé, tout ça est arrivé. Alors, on va continuer. C'est là où dans le live de Coco, cette femme-là, la lieutenant ou c'est qui de Tatana, elle dit que moi, je suis que Thérèse. On va continuer, on va y arriver. Voilà. Avec Bebla. Voilà. Oui, elle est partout pour faire les amitiés avec les gens. Partout comme ça, là. C'est toujours notre être. On va revenir. On va réécouter. Et... Elle n'est pas en journée. Tu fais un direct dans la nuit. Tu dis que moi, sinon, voilà. Il s'est fait déjà une nuit. Elle peut parler la différence entre le jeu et la nuit. Tu sais que là, elle n'a pas la route. Tu ne pas. Je suis revenue sur les commentaires pour mieux vous expliquer. Parce que c'est trop facile de se lever, venir insulter des gens. Et je suis même allée, jusqu'à dire à cette giresse que vous n'avez pas le monopole des insultes sur la toile. Et c'est vous qui faites que des gens se lèvent parfois pour venir manquer de respect souvent à Tata Lolo. Il y a d'autres lolomaniens qui sont venus commenter cette vidéo-là. Même Sylvie Tenière, elles sont venues commenter. Mais la façon dont vous avez compris, c'est parce que, ou c'est parce que j'ai dit que je ne vénère pas quelqu'un, moi je vénère mon Dieu. Je ne peux pas vénérer quelqu'un dehors de Dieu. Autrement, je vais vénérer ma mère, je vais vénérer mon père. Mais je ne peux pas vénérer une autre personne. Et c'est logique. Et c'est logique. Maman Dorcas. J'étais à cœur ouvert au feu bamois. J'ai dit à la dame que j'avais d'abord fait un post où j'ai dit que je suis contre le fait qu'on insulte les enfants, qu'on affiche les enfants, qu'on insulte les parents. J'étais chez la dame, j'étais en train d'intervenir, elle me posait des questions, je répondais. Et Tchamalo est arrivée, si elle est honnête, si Mathéo, elle va venir dans cela, elle peut venir s'asseoir là et elle va vous dire la vérité que ce que je dis c'est vrai. Je ne suis pas nerveuse, reste tranquille, c'est juste parce que je parle. Elle a dit que moi, Blabuti, je vais te laver. Et elle me dit que elle va me laver, pourquoi? Parce que j'ai dit que je ne veux pas, tu as insulté le fils de Coco dans ton direct la dernière fois. Tu as lavé l'enfant, un nouveau-né. Tu as insulté l'enfant de Coco dans ton direct. Ce n'est pas bien, tu ne peux pas insulter les enfants. Moi, j'ai toujours été contre le fait qu'on insulte les enfants, qu'on insulte les parents, qu'on affiche les familles. Mais même chez Tatana, on t'a aussi insulté parce qu'ils ont dit qu'ils vont afficher, ils vont faire ceci. Moi, je suis contre ça. Moi, je suis contre ça. Alors, c'est comme ça qu'elle m'a dit que je vais te laver. J'ai dit que maman, tu fais comme tu veux. Tu me laves comme tu veux. Je n'ai jamais été au courant. Alors j'ai pris le truc, je suis venue, j'ai posé sur mon mur. Ça vous a énervé. Ça vous a énervé. Mon mur. Oui, elle est partout pour faire les amitiés avec les gens partout comme ça. C'est toujours notre. Elle veut être aimée par tout le monde, celle qu'on appelle la Black Beauty. Elle veut être aimée par tout le monde. Oui. Qui est ma mamie? Qui ne peut pas, dans le bloc qu'il est, qui ne peut pas percer. Elle a porté aussi une robe où elle dit que robe achetée chez Lolo. La robe a des femmes se met sur toi, ça devient comme un paillasson. Waouh. La robe, je ne peux pas percer. Si je ne peux pas percer, ma chérie, vous faites 3 heures de direct sur moi. 3 heures de direct où vous m'insultez Dorcas. Mais je parle de moi. 3 heures du direct, de direct. Mais mon frère, mes soeurs, je ne peux pas percer, je ne suis rien. Je suis la Black Beauty. Et je suis la star de ma famille depuis longtemps. Et je suis ce que je suis, mes followers qui même sont avec moi. Oui, j'ai parlé de la robe. Justement, j'ai fait allusion justement à ce commentaire. Vous avez vu qu'elles ont fait allusion à la robe. Pourquoi? Parce que dans le commentaire, j'ai mentionné que mais
va commenter le poste que j'ai fait avec la robe de où j'ai acheté chez Tata Lolo. Oui, j'ai acheté la robe chez Tata Lolo. Ça m'a fait plaisir de la mettre. Ça m'a fait plaisir de faire mes photos où j'étais très belle. Mais parce que j'ai fait une coupure où il y a eu un échange chez Thérèse qui parlait de Tata Lolo. Vous sortez. Cette robe-là me va à merveille, maman. Toutes les personnes qui m'ont vu avec cette robe-là m'ont dit que maman, tu es trop belle. On va acheter la même robe. On veut la même robe. Ah oui, oui. Où est-ce que tu as acheté ta robe? Je les ai dit que j'ai acheté ça chez Tata Lolo. Ça vous fait mal où? On continue, on écoute. Comme c'est quand tu suis les pieds, tu comprends, non? Tout ça, Tata Lolo vend la robe, elle ne vend pas les formes. On va pas oublier ça. Tata Lolo ne vend pas la robe, elle vend la robe, elle ne vend pas les formes. Mais, ma chérie Coco, j'ai toujours été très respectueuse. Ma chérie, en matière de forme, il faut laisser. Il faut laisser. Tu as compris? Je suis trop belle, bien formée. La femme est debout. Ce n'est pas la blague. Je dis bien, ce n'est pas la blague. Je ne suis pas fade. Je ne suis pas une femme fade. Je suis debout. Bien même. Quand je me mets, ce n'est pas genre. Tu vois la femme devant toi, tu dis que ça c'est une femme. C'est une dame. Je suis parce que je suis belle jusqu'à demain. Tu as compris avec quoi? Tu as compris avec quoi? Ce n'est pas parce que on m'a dit que tu es mince. Et d'ailleurs, je ne peux jamais vouloir être mince. Je ne peux jamais vouloir parce que mes gars ne m'ont jamais aimé étant mince. Ils adorent mes formes comme je suis pleine de partout. Et c'est ça qui attire. Quand je me mets debout, tu vois la femme devant toi. Sans décapage. Je ne force pas. Vous avez vu, j'ai posé naturellement. Je n'ai posé même pas. Ma soeur me filmait seulement comme ça. Il y a seulement qui met ça sur mon mur. Il y a eu des gènes comme ça. Les gens m'ont aimé comme ça. Maman, je suis la Black Beauty et je m'assume. Je me suis toujours assumée sur cette toile. Vous-même, là, vous avez dit que Black Beauty, tu es belle, maman. Tu parles des formes. Seigneur, ouais. Allô, maman. Maman, je préfère avoir mes rondeurs. Je préfère avoir les formes que j'ai que d'être une personne fade. Je suis désolée. Je dis bien, je préfère avoir mes rondeurs que d'être fade. Que d'être mince et être fade. Je préfère avoir les rondeurs que j'ai là. Je ne veux pas être mince. Parce que être mince, cela va me rendre fade. Je serai triste. Donc, j'aime comme je suis là. Et ça ne me chauffe pas. Merci, ma sisto, pour les étoiles. Merci, mon amour de sœur. Oui. Elle a dit ma grande sœur. Merci pour les étoiles. Oui, ça la poste, c'est elle. Elle est comme ça. Elle sait que Tata Na a un cœur de grande sœur. Elle va vite dire que non. Grande sœur, oui. Est-ce que les gens ne voient pas leur jeu? On voit ton jeu, madame. Dès lors que la Black Beauty était partie en face, faire ce qu'elle a fait là en face et revenir, j'ai moi coupé les ponts avec la fille là. J'ai dit que non, le chien qui avait deux. Tu me dis que. Que moi, quand je fais, je pars voir Tata Na. Je viens d'arriver, j'ai compris que la Black Beauty veut tout ma. N'importe quoi, elle veut tout ma. Donc, que je pars voir Tata Na. Tata Na, c'est une grande soeur pour moi. Tata Na, je vais respecter Tata Na. Comme je dis et je réitère, je respecterai toutes les personnes qui me sont importantes sur la toile. Je respecte simplement. Je suis dans le respect avec elle. Les hommes étaient morts comme ça, on ne savait pas où on devait amener nos corps. Ils étaient morts comme ça, le chien qui avait géré les hommes. Oui. Le chien qui avait géré les hommes. Et tu me dis que depuis le jour, je suis partie en face.
Quand tu parles de que depuis le jour où je suis partie, en face, ça veut dire quoi? Donc ça veut dire que peut-être depuis le jour tu m'avais vu sur la vidéo avec Flore de Lille. Excuse-moi, ma Flore, pardon, je suis obligée de te le dire. Ça t'a énervé. Mais ça va t'énerver pourquoi? Pourquoi ça va te déranger, ma soeur? C'est un être humain. Il y a eu des choses. Moi, j'étais aussi là, j'étais soutenue quand tout allait mal ici, non? J'étais soutenue, non? Pourquoi en ce moment-là, je n'étais pas hypocrite, je n'étais pas méchante, je n'étais pas tout ce que vous êtes en train de dire là aujourd'hui? Donc, je ne suis pas dans une team. Je suis électron libre. Je pars où je veux. J'ai fait mon objet de vie, je suis venue ici là, j'ai dit que, oh, il y a eu une époque. J'ai eu à. J'ai demandé pardon, je suis passée à autre chose. C'est quoi le problème? Tu me détestes, je ne savais pas que tu avais une dent contre moi, ma soeur, Coco. Je ne savais pas que tu avais quelque chose contre moi. Mais il fallait me le dire. Il fallait me dire. Je n'étais pas au courant que tu avais un truc dans le cœur contre moi. Quand tu dis que c'est mon énergie, c'est ma connexion, c'est pas la connexion de quelqu'un. Pourquoi ça dérange? Mètres. Voilà. Le chien qui avait 2 mètres, comme tu dis là, j'aime ça avec tes problèmes là. Le chien qui avait 2 mètres, c'était mort comme ça là. Oui, oui. Une bande d'hypocrites. Tiens, maman, la laver. C'est dit que la laver dans le direct comme ça, laver dans le direct. C'est le genre de chien que tu adoptes, tu mets chez toi. Et le jour où ta maison prend feu, ne peut pas t'aider, reste en route, elle aboie. Coco, je suis le genre de chien qu'on adopte au mèche dans la maison. Toi, tu es quoi, ma soeur? Tu as dit dans ton direct que si moi je te réponds, tu vas sortir m'insulter. Maman, tu vas sauf que m'insulter toute ta vie. Toi, tu es quoi? Je ne t'insulte pas. Tu es quoi? Toi, tu es quoi? Je suis le genre de chienne que si on prend mettre dans la maison et que si la maison se brûle, je vais me mettre en route pour hurler. Toi, tu es quoi? Hein? Toi-même, tu sais qui tu es. Tu connais de quoi tu es capable. Ne mélangez pas des gens. Ne mélange pas la femme que je suis. Ah non, 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 non. Ah non. S'il y a quelqu'un qui peut détruire tout le monde, là, c'est toi, ma soeur. Hé, hey, ma chérie. Mais toi, tu es... Je ne sais même pas. C'est-à-dire que, excuse-moi, mais il n'y a pas de mots pour te qualifier. Il n'y aura pas de mots pour te qualifier. Je ne vais pas me rabaisser à te donner des mots. Mais toi-même, tu sais qu'il n'y a pas de mots pour te qualifier. Elle aboie, elle aboie. Elle est là, elle sort ses dents jaunes là partout. Elle est là. Et c'est pas une petite fille, hein. C'est pas une petite fille, hein. La boutique que vous voyez là, c'est pas parce qu'elle est là sur Facebook. Si vous voyez le premier fils de la Black Boutique au pays, on m'a dit qu'elle est un premier garçon au pays. C'est pas une petite fille. Quand tu vois même son enfant là qui a l'air lâché, lâché, place, place là, il y a même plus aussi une question de dames, de dames. Mais oui. Elle dit qu'elle est maman. J'ai toujours dit ici que je suis une grande femme. J'ai toujours dit que je suis grande. Je suis dans la quarantaine. Je ne suis pas un enfant. Vous parlez de toi, mon enfant qui est au pays. Maman, je devais être stérile. Quand j'écarte mes jambes pour Guy Ojo, c'était pour que quoi? C'était pour que j'ai le fruit de mon travail. C'est normal que j'ai des mounas. Où est le problème? Insultez-moi, mais mounas vient chercher quoi là-dedans? Insultez-moi. Mais Mouna vient chercher quoi? Tu parles de quoi? Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Vous m'insultez? Vous pouvez m'insulter? Vous pouvez m'insulter? Je n'ai pas faim, je ne mange pas chez vous. Je ne bois pas chez quelqu'un. Je me lève le matin, ma mère travaille mon argent, je me nourris. Bonsoir, du camel. Je vis ma vie, je ne vous calcule pas. Je viens dans le live quand Tatana lance son direct. Je suis sur la page de Tatana. Parce que Tatana m'a toujours respecté. Et c'est une personne que je vais respecter. Et je pars là où j'ai envie de partir. Personne ne me dira où je vais entrer. Je pars partout dans les lives où je veux.
C'est qu'est-ce qui vous dérange? On va continuer, vous allez écouter. Ils sont longtemps comme ça là. Ils vont venir se cacher sur le nom de Lewat. Et quand tu vas même regarder, ce sont la c'est le genre de famille éloignée, éloignée. Que quand on arrive en dénonce de Tunisien, est-ce qu'on vit encore pour le titre? On ne vit plus pour le titre. Nous-mêmes, notre papa avait un nom. On arrive là-bas chez nous, on donne le nom de mon père, on nous connaît. Est-ce qu'on dit que pour tout le monde, elle est en coche maintenant derrière les Wanda. Je Wanda, tu vas venir. Je dis que la Roupero, là qui est là-bas derrière, la Roupero, je ne sais pas qui tu es. Sors, viens à visage découvert, tu t'assois, tu clashes. Regardez la blague huissière. Vous m'avez vu, non? Tu m'as vu, non? Toi, la Roupero, là. Toto, tu m'as vu, non? Sors, tu viens te mettre comme moi, je me mets là. Tu viens, fais ton direct. Je suis belle, je suis ronde, je suis black. Et j'assume mon teint, j'assume ma peau, j'assume mon corps. Sors du noir, tu viens. Sors du noir, tu viens répondre à visage découvert comme moi je fais. Parce que quand moi je réponds, quand je veux faire ma chose, je fais à visage découvert. Je suis souvent dans le noir parce que peut-être je suis fatiguée. Pourquoi tu es donc derrière? Hein, j'y reste, pourquoi tu es derrière? J'y reste. Sors de là où tu es. Tu prends, tu couvres, tu crées ta page. Tu viens nous insulter comme tu le fais là. Ne te cache pas en disant que je suis le lieutenant de Tatana. Le premier jour tu as intervenu sur Tatana, quand Tatana t'a dit que tu vas défendre Tata Lolo, tu as dit que non, je ne suis pas là pour défendre Tata Lolo, je suis là pour toi. Aujourd'hui tu viens insulter des gens au nom de Tata Lolo. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Maman, je suis une femme debout ferme, avec des mounas blancs. Mes enfants là, je les adore. Je suis fière. Ce n'est pas donné. Est-ce qu'on a peur de s'assumer? Quelqu'un qui n'a pas peur de s'assumer sort du noir. Votre douleur, c'est où? Je suis le Watt ou je ne suis pas le Watt? En quoi ça vous concerne? Bonsoir, ma tatane là, chérie. Je suis le Watt ou je ne suis pas le Watt, Coco. C'est quoi ton problème? Je t'ai un jour insulté. Je t'ai un jour manqué de respect. Je t'ai soutenu ici quand il fallait. Ta douleur, c'est quoi, en fait? Tu m'as un jour vu m'asseoir. Ou même quelque part où j'ai écrit un message ou un mot contre toi pour te dire quelque chose de négatif. Mais ma chérie, il y a des limites. Comme tu as dit depuis le jour où tu m'as vu en face. Mais je n'ai pas dit bonjour en face. Ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas. Je suis libre, je suis électron libre. Tu ne comprends pas? Je pars partout. Oui. Je pars partout. Et même quand j'arrive chez Ducamer, Ducamer est dans mon live. Ducamer me connaît. Quand j'arrive chez lui, Ducamer ne vient pas dans mes lives tous les jours. Mais quand Ducamer arrive dans mon... Quand j'arrive chez lui, je dis bonjour Ducamer. Il y a des gens qui me voient, ils me disent bonjour, ils me saluent. Ils me... Ce n'est pas grave, je suis comme ça, je suis free. Les pages de Congo, ça insulte tous les jours. On coupe, on met les insultes. Ça ne vous dérange pas. Mais quand c'est Black Beauty, ça devient un problème. Pourquoi? Pourquoi la Black Beauty? Hein? Vous voulez quoi? Ce que vous voulez de moi, là, vous ne l'aurez pas. J'étais un jour manqué de respect? Non. Il y a quoi? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Que tout le monde est filé, ouais. Et tu vois, non, Coco, tu vois même maintenant, tu vois comment Tatana, Tatana a dit tellement loin, tu vois même maintenant, on a commencé à voir, elle est descendue. Elle est descendue, oui, oui. Comme ça. Elle est descendue, toujours comme ça. Oh, c'est pas les gens qui agissent. C'est pour elle, regarde. Général, c'est pour elle là-bas. Moi, quand je n'aime pas une personne, je ne connais pas faire semblant. Avant, j'aimais la Black Beauty. Mais quand j'ai vu que c'est une fille qui appelle beaucoup, elle veut être trop amie avec toi, j'ai coupé les ponts. Parce que moi, on ne me rend pas visite. Je ne rends pas visite aux gens. Et après, elle est ma tante, elle a monté ma tante de quitter dans la team. Tu comprends? Elle monte ma tante, elle dit à ma tante que j'ai dit à ma tante que même si tu veux toi sortir de la team, ne fais pas. Coco, Coco, ma chérie. Quand tu as eu, bonsoir la maîtresse, tes problèmes ici, où ça a fait, où tout le monde t'a soutenu, où je me suis retrouvée que je suis russe. Où je me suis retrouvée à dire que wow, voilà, où il y avait les tues de Poutine, il y avait tout ça là. Maman, tout le monde te soutenait.
On t'appelait devant comme on t'appelait derrière. J'ai eu mal. J'ai pleuré avec toi. Je t'ai dit que ouais, ma soeur. Et je le disais même dans les lives. Je ne savais pas que tu ne m'aimais pas, maman. Je te demande pardon. Je ne savais pas, parce que si j'avais su que tu ne m'aimais pas, hé, hey, ma soeur, tu n'allais jamais, à grand jamais prendre, c'est-à-dire qu'une minute de mon temps, même pour t'appeler, même pour te dire bonjour. Je ne savais pas. Tu ne me détestes pas, tu ne me détestais pas. Tu m'as détesté comme tu as dit toi-même que depuis le jour, tu m'as vu en face. Donc c'est ça qui t'a énervé. Et tu as commencé à me détester. Tu as commencé à me détester parce que tu m'as vu dire bonjour à Flore. Je le dis, je ne tourne pas. Tu as commencé à me détester. On va continuer. Mettez les cœurs et partagez le direct. Tata de bruit. Ma tata dit que je ne peux pas faire de bruit. J'aime beaucoup Tata Lolo. C'est passé là avec sa procédure. Elle ne veut plus trop être ancienne. Maintenant, tu me dis que j'ai voulu monter ta tante. Ta tante qui est ma juju, qui est Zoro. Qui est Zoro? Ma soeur, c'est un enfant, maman. Est-ce que je peux prendre mon téléphone? Je dis à Zoro que fais ci, fais ça. Hein? Est-ce que je peux prendre le téléphone? Je dis à Zoro que fais ci, fais ça. C'est un enfant. Monter Zoro par rapport à quoi? J'ai décidé que je devais devenir électron libre. Et je suis venu dire que j'étais électron libre. Zoro est libre. Avant que ne fasse ma sortie, j'avais fait un direct où Zoro est en train de se passer. Donc, vous ne pouvez pas parler des choses sans citer les noms des gens. Donc, tu ne peux pas te mettre à faire ton direct comme ça sans vouloir indexer, parler de quelqu'un. Parce qu'elle a demandé ses papiers. Tu comprends? Et après, oui. La blague où tu étais fâché que Tata Lolo ne partage pas ses trucs. Si Tata Lolo se met à partager les trucs des gens, on va aussi regarder ses publications. Non, tu as bien fait de bloquer la blague où tu... Oui. Tu me dis que j'étais fâchée parce que Tata Lolo ne partageait pas mes directs. Je te rappelle pour ta gouverne. Tata Lolo a eu à partager mes directs. Voilà pourquoi le jour où j'ai déclaré que j'étais électron libre, je lui ai dit merci. J'ai remercié elle, j'ai remercié la reine de Dieu, j'ai remercié Patricia. Et j'ai dit que je devenais électron libre. Donc quand tu dis que si on regardait les choses, on va regarder. Il y a des gens qui me regardent. Je n'ai pas besoin de 10 000 personnes. Pour me regarder. À partir du moment où mon message passe et que ça touche deux personnes, c'est beaucoup. C'est le pluriel. Alors, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Ta tante, je me plaignais. Ce que tu cherches, où vous voulez que j'arrive là? Où vous voulez que j'arrive? Que je me lève? Tu n'es pas la seule. Même souvent dans les commentaires, Maya dit que là, avec Tata, insulte Tata Lolo. Ce que vous. Non! Mais moi, quand je passe, ça devient un problème. Ah, Seigneur! La folle, elle fuit les échelles. Voilà. Et c'est comme ça qu'elle raconte les gens. Le jour où elle était chez la. La veuve joyeuse, elle était toujours comme ça. Elle voulait toujours attirer le regard sur elle. Mais la dame, tu restes chez toi, tu as des grands enfants. Tu restes chez toi. Ma chérie, ma chérie. Ouais, Seigneur mon Dieu. Je ne peux pas manquer de respect à certaines personnes parce que j'ai dit que je ne manquerai de respect à personne. Ok? Je lui ai dit que dans ici, certaines personnes, je ne vais pas le manquer de respect. Hmm? Voilà. Si je veux attirer le regard, le jour là, je la veux, je reste chez moi. Pourquoi? Je pars où je veux. Venez m'attacher chez moi. Venez me mettre des menottes. Venez me mettre les fers aux pieds. Je démarre ma voiture, je pars où je veux, comme je veux et quand je veux. Quand tu vas attirer les regards sur toi, ça ne prend pas. Quand tu vas attirer les regards sur toi, ça ne prend pas. Mais sauf que ça vous intéresse de me laver pendant des jours. Pas là pour indexer une personne. Vous parlez de la folle, c'est de Warrios. Lorsque vous parlez de la folle, que parce que j'étais allée chez Warrios. Mais j'étais allée chez Warrios. Ma tata a lancé le deal, j'étais assise à côté d'elle.
pas demander aussi à tata Nana si je pue, ma. Demande aussi à ma tata si je pue, non, ma mère. Parce que tous, on était là, hein. Elle était assise, j'étais collée à tata Nana. Vous n'avez pas vu ça dans le live. Demande à tata Nana que tata Nana, maman, blabuti, on dit qu'il faut aussi lui demander parce qu'elle était là. C'était personne personnelle, demande-lui. C'est quoi votre problème? On ne peut pas avoir la paix sur Facebook. Vous vous attaquez à tout le monde. Vous savez pas qu'il y a des gens que non, parfois même tu t'assois, tu te dis que mais la personne, c'est un moment donné, a été avec moi. Non, vous n'avez pas de limites. C'est sur moi que vous êtes arrivé. Seigneur. Ah, je te dis. Fade, Coco. Elle est fade. Non, non. Elle est trop fausse, cette fille. Elle est là pour passer. Elle a donné les excuses à une personne que je connais, qu'elle est là pour chercher les abonnés. C'est pour ça qu'elle a pas pris en train de faire. Depuis là, elle a toujours suivi les poussières. Ma chérie, laisse. L'histoire des abonnés. C'est la reine Mère Bio qui avait dit ça ici. Que Blabritia dit qu'elle est venue sur la toile parce qu'elle veut les abonnés et des vues. Quand j'ai fait ma sortie pour demander les excuses, la reine Mère Bio a dit ça. Ou de parler? Non. Abonnés. Elle n'a pas encore 10 000 abonnés. J'ai 17 000. Ça te fait mal. Tu m'as appelé. Vas-y. En fait, je ne t'ai même pas encore sorti derrière tata Nana. Je vois tout son chemin que c'est derrière tata Nana. Un jour, quand Flo est entré dans son bureau, elle prenait les questions à Flo. Tu comprends, non, Coco? Après, je l'ai appelé pendant le live. Le live, elle m'a mis sur, comment on parle bas là. Je lui demande, mais pourquoi tu ne peux pas poser les vraies questions à Flo? Il y a une chose qu'elle fait qui n'est pas bon. Pourquoi si elle est dans le live, elle dit, oh, si je pose la question, non, ma. Tu sais que comment elle est là comme ça, là, elle ramène les abonnés, tu comprends, non, ma. On va dans ça. Et comme ça, n'importe quoi. Vous voyez comment des êtres humains sont. Vous voyez comment des gens peuvent être ridicules et incarner le ridicule, la bassesse. Le mensonge. Quand Flor Delisle était dans mon direct ce soir-là, elle-même Flor m'a surprise. J'étais surprise qu'elle monte dans mon live ce soir. Juste parce qu'elle m'a dit qu'appelle la lionne vient poser des questions. Non, ouais, tes questions sont trop. C'est long. Quand elle a posé des questions, elle m'a parlé. Tu as intervenu dans le direct. Tu as intervenu, tu as appelé. Je t'ai mise, tu as causé avec Flor dans le direct. Tu lui as dit que oh, je t'aime, oh, voilà, machin, je te suis dans un an. Tu lui as dit. Donc là. Pourquoi tu ne lances pas un live? Tu dis que Flor, viens. Tu lui poses toutes les questions dont tu voulais que moi je pose à Flor. Tu dis que Flor a fait des choses. Flor a fait quoi? Moi, je devais me dire quoi à Flor? Tu voulais qu'elle lui demande quoi, ma? Même étant chez Coco là où tu étais là hier, tu pouvais dire que Flor, dis-nous non. Dis-nous ce que. Pose la question aussi à Flor. Tu peux aussi demander à Coco de poser la question à Flor, non. Les questions que moi, je n'ai pas voulu poser. Il fallait aussi demander à Flor, à Coco, que Coco pose les questions aussi à Flor. Tu as compris avec quoi? Est-ce que je suis un enfant? Est-ce que je suis une personne qu'on utilise pour arriver à ses fins? Je vous ai déjà dit que j'ai un cerveau, j'ai une mémoire. Je ne mange pas sur quelqu'un. Que je voulais les vues, que non, tu sais que quand Flo... Mais oui, Flo était venu dans mon live ce jour-là. J'ai eu des... Il y a des gens qui sont venus. Les gens sont... Elle a amené du monde. Je ne m'attendais pas. Pourquoi tu voulais que moi, je lui manque de respect? Je lui pose que j'ai des questions. Dis-moi. Toi, maman qui ne boit jamais de l'eau, ou à quel moment tu fais une pause pour boire de l'eau quand tu parles, ma chérie? Ce n'est pas la course. Ce n'est pas la course. Après, tu m'as appelé pour vouloir me parler, ou c'était de la famille de tata de l'eau. J'ai dit que ma soeur, je ne connais rien. Je ne peux pas me parler des choses que je ne connais pas. Ma soeur! Donc, quand vous restez comme ça, vous vous mettez des choses dans la tête. J'ai dit que je ne sais, je ne peux rien dire. Je suis ma sortie dedans. J'ai dit qu'on ne peut pas me parler des problèmes de Satan qu'on ne connaît pas. Je vais parler d'un sujet que je ne connais pas. La reine Medio, elle est en train de gérer les choses là-bas. Maman, c'est quoi le truc? C'est quoi le truc? Donc, toi, tu voudrais que moi, je me mette ici en train d'insulter Flor ou que je te pose? C'est pas les questions, ma chérie. Aujourd'hui, tu n'es plus... Tu es connue. Aujourd'hui, tu es connue. On entend ta voix. Donc, parle. Ouvre-toi. Crée ta
page et tu parles. C'est quoi le truc? Quand on est poli, vous appelez des gens. On est poli, on prend le téléphone, on vous dit bonjour, ça devient un problème. Tu viens me raconter quoi? Que le jour-là, tu as dit que j'étais ceci. Dis quoi, ma soeur? Je sais pas. Tu ne peux pas la cajoler dans le sens du poil. Mais oui. C'est quelqu'un aussi qui fait des choses. Qui avait, parce que le sujet parlait d'un truc au flot avec un qui au cou, et il avait quand même sa part de responsabilité. Écoute ce qu'elle a dit. Donc, elle dit que non, ma femme, tu vois comme ça, je peux être avec tout le monde. Le sujet parlait de quoi? Le sujet parlait d'une chose que Flo a fait, il avait sa part de responsabilité dedans. C'était que, donc la vie, non? Tu prends ta page, non? Tu écris, non? Tu écris, tu dis que voilà, tu mets toutes les questions que tu aurais voulu, non? Pourquoi tu ne l'as pas fait? Le sujet parlait d'un truc que Flore avait fait. Ah, exactement! C'était l'affaire du terrain. Quand Flore avait fait le live là, où elle a parlé que wow, moi je donnais aussi mon avis par rapport à ça. Et c'est comme ça que Flore est montée dans le live. Et puis on a parlé, on a échangé, on a échangé. Juste parce que la lune est montée parler. Ou même, Manos a bien monté, poser ses questions. Donc moi, je vais me lever, je viens poser des questions bizarres. Elle a fait ce qu'elle a fait, mais ce qu'elle a fait, si c'est bon, c'est bon, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. C'est quoi le problème? Maintenant, c'est sur moi que tu veux venir verser ta frustration. Ça te fait avoir des abonnés. Oui, c'est les excuses qu'elle a données à une personne que je connais. Qu'elle veut les abonnés. Dans les abonnés, tu vas nous blesser. Alors en face, tu reviens, on te prend encore. Je te jure, Coco, je te jure, c'est la première fois que tu es moi qu'on parle. Je te dis ça, ma grâce, je te jure, elle a dit ça à moi. Maman, tu jures, pourquoi tu jures comme ça? Pourquoi tu es obligée de jurer comme ça? Tu n'as pas besoin de jurer, hein? Non, tu n'as pas besoin de jurer. Tu dis que j'ai dit à une personne que je suis sur la toile pour les abonnés. Toi, tout le monde est sur la toile pour les abonnés. La personne dont tu interviens dans son direct, tu dis que je suis partie en face et je suis revenue. Je suis revenue vers toi, maman. J'entre dans les lives que de tata Naï. Ouais, ma mère. La seule personne où je viens dans ces lives, c'est chez tata Nadège. J'ai choisi comme ça et c'est comme ça, c'est pas autrement. Pourquoi ça dérange? Toi qui m'as demandé que pourquoi tu ne pars pas dans les lives de tel et de tel, c'est mon choix. Je suis obligée de partir partout. Je suis obligée d'être partout. Partout où mes petits pieds vont arriver, je vais marcher kounia, 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 kounia. Je ne pars pas. Tu me dis que pourquoi je dis qu'elle n'est pas de problème avec tata Lolo, je ne viens pas dans ses directs. Est-ce que tata Lolo qui n'a pas de problème avec moi, elle vient dans mes directs? Pourquoi ça vous dérange? Hein? On se respecte. Donc je suis obligée moi d'aller à gauche et les gens d'à gauche ne sont pas obligés de venir à droite. Mais attendez, vous pensez que des gens sont sur la toile parce que c'est comme vous voulez? Je pars où je veux, je suis libre. La liberté, ça ne vous dit rien. Hein? Je suis libre. Je pars où je veux, je pars chez tata Na, ça me plaît d'être là-bas, je pars. Je pars chez Doka, je pars où je veux, je pars chez Parmesan, je pars chez Ducamé, je pars. Elle est partout. Elle, ça me dérange, elle est proposée, ma proposition. Tu comprends, non? Tu es contre le lot, prends ta position. Avec les mollets, bien sûr. Donc quand je porte ça comme ça, tchaka, 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 tchaka. Je me barre, vous êtes derrière, vous me suivez, maman. Moi, je ne sais même pas si vous me connaissez. Oh. Je ne sais même plus si vous existez. Oh. Donc, dans tout ça là, vous savez que je suis allée chez Bertrand Chussomon. Que j'ai dit que. Que j'ai dit que. Que si je n'aime pas tata Lolo. Que je. Ma chérie, si je voulais insulter tata Lolo, je l'aurais fait depuis X temps. Pourquoi vous voulez insulter des gens? Pourquoi ce que vous voulez? Oh, je ne vous servirai pas. Si tu as mal, bois de l'eau. Si tu as mal, bois suicidos. Je suis allée chez Bertrand, je parle, je m'exprime. Bertrand, chez moi, il me prend dans son live. Il me pose des questions, j'ai le droit de m'exprimer. C'est normal. Tata Lolo, c'est une star, maman. Et je parle dès où j'ai envie de parler, tout comme Flore, tout comme Composé. Je parle où je veux. Pourquoi ça vous dérange? Je viens chez Tatana.
Tata n'a langue sous le direct, je vais venir commenter avec ma page. Comme je peux aussi chez Doka, sur ma Doka, je commente. Vous avez mal où? Hein? Ta position. Et je vais venir prends ma position par rapport à Tata Coco. Hein? Tu as quel âge? Dis-moi. Est-ce qu'on interdit les gens d'être aimés? L'amour est bien. Raison pour laquelle elle a dit qu'elle faisait la paix et que la paix était bien. Et que la paix était bien. Pourquoi quand vous, vous agissez, vous blessez des gens, vous ne parlez pas de ça? C'est pour les autres que vous voyez à côté. Je prends ma position. Moi, je suis déjà dans mon compte depuis X temps. Je suis allée quelque part. C'est Coco là que tu appelles Tata. Donc ça veut dire que tu as quel âge? Tu as 15 ans, maman, ou tu as 2 ans. Merci, Tata Jackie, pour les étoiles. Tu as 2 ans. Tata Céline Bako, bonsoir, et t'aime pas salut. Tu as 2 ans, ma mère. Hein? Calme-toi, bois de l'eau. Parce que tu vas suivre la Black Beauty partout. Et tu auras mal. Et j'irai en face, dis bonjour. J'entre dans tous les lives où j'ai envie d'entrer. Et je réponds là où j'ai envie de répondre. Mais ce que vous attendez, vous ne l'aurez pas. Insultez-moi. Dites-moi que je suis. Quand je me lève et que je sens que je suis belle, quand je regarde ma personne, je regarde ma peau, tu veux faire genre comme si tu as trop la grande gueule. Tu n'as pas la grande gueule, maman. Tu n'as pas. Tu as les insultes de carniveau, de bas quartier. Apprends à parler. Apprends à parler. Apprends à t'exprimer. Je vous dois quelque chose. Je vous dois quelque chose. Vous dites que Reva a bien fait de me bloquer. Elle me bloque, ça fait quoi? Elle me débloque, ça change quoi ma vie? Ça va empêcher que tous les matins, je vais entrer dans mon gouillou, gouillou, gouillou. Je vais aller travailler mon argent. Que je vais entrer dans mon trou, je vais m'occuper de mes enfants. Ça va m'empêcher que je fasse ce que j'ai envie de faire, que je puisse avoir une vie de famille. Mais je vous respecte, respectez-moi. Hein? Hein? Oh! Vous avez votre problème avec ma Doka, c'est mon problème. Si maman Dorcas fait ses directs, je pars là-bas, je dis bonjour, c'est votre problème, j'ai le droit, non maman? Ça aussi, vous voulez me priver de ça? Ça aussi, tu veux me priver de ça? J'ai vu tel, je vois vos commentaires, ne venez pas attiser des choses. Je ne vous ai pas cherché, je ne vous ai rien dit. Je coupe mes vidéos et je vais continuer à couper. Coucou Claudia. Je vais couper mes vidéos et mettre ce qui me plaît sur ma page. La personne qui n'est pas contente là. Dehors. Bois. Fume. Et compte ta tête au sol. Jusqu'à ce que tu n'arrives plus à respirer. C'est votre problème. On ne me dicte pas ma conduite. On ne me dicte pas ma conduite. Des sous-gens ne me dictent pas ma conduite. Ok? Au niveau où je suis là, au niveau où je suis, mon petit niveau que j'ai dans ma vie, ça me va. Je n'en vis pas des gens. Je ne rêve pas d'être où je ne peux pas être. Je vis ma vie. I am a star. Je suis une star depuis la nuit des temps. Ce n'est pas aujourd'hui. Vous avez compris avec quoi? Vous avez compris avec quoi? Si demain mes fleurs n'est plus avec Lolo, fleurs peut faire qu'elle a habitué avec Maro Fumbo. Elle va s'asseoir sur la couleur vert citron ou c'est vert mouton. Coucou Angèle, bonsoir. Ouais, Seigneur, Adama, maman. Donc,
n'étais rien, maman, vous pouvez prendre le temps comme ça pour moi. Si je n'étais rien, vous pouvez prendre le temps comme ça pour moi. Hein? J'ai réclamé ce jour-là parce que j'étais dans le live et maman Dorcas. Maman Dorcas a fait son live où elle a dit qu'elle a beaucoup travaillé, elle a beaucoup souffrance. Et qu'il fallait qu'on paye son énergie, on paye son temps. Maman Dorcas a dit ça. Moi, je suis en train, elle m'a dit que, elle dit que, oh, procureur, bring back maman Dorcas money. Et alors, si vous n'avez pas la joie de vivre, si vous êtes frustré, si vous n'avez pas ce qu'on appelle l'humour, I don't care, man. It's not my fault, you know. Je n'en ai rien à cirer. J'ai tapé mon show ce jour-là. J'ai tapé mon show. J'ai bien tapé mon show ce jour-là. J'étais tranquille. J'ai fait mon show. Après, je suis descendue. Et puis, il y a quoi? Dis-moi. Mon mur est vert citron, maman. Quand je veux faire mes séries, on fait. Plus vert citron sur le mur de la gloire. En quoi ça vous dérange? Hé, hey, est-ce que nous, on a les mêmes envies, les mêmes désirs? Non? Tade, pour parler aux gens. Elle est partie. Après, elle revient encore. Je vois encore les gens de notre type l'encourager de l'autre côté. Alors qu'elle était déjà sur Ngossabé. Parce qu'il y a dans le direct de Ngossabé, on nous insultait. Après, elle était soi-disant électron libre. On nous insulte, elle coupait partage. Moi, je vais aller couper où la chienne là est en train de l'insulter. Je vais poster. Si c'est coupé partage, où on a insulté? Ouais, Jesus. Maman, j'étais sous compresseur. Tu m'as vu là-bas, maman. Va prendre, tu viens déposer. Moi, je n'ai aucun problème comme insulte. Peut-être que vous ne connaissez même pas les insultes, ne me disent rien. Je vous réponds parce que je me suis dit, mais attendez, c'est quoi cette histoire? Tu restes tranquille, tu n'as pas des idées, des gens te disent que wow, wow, wow. On vous insulte. Quand on insulte au compresseur et que je viens, je prends, je mets sur mon mur, vous ne parlez, ça vous fait du bien, non? Hein? Quand on insulte le compresseur là et que ça se passe, mais vous êtes content. Quand je prends les lives de la reine mais que je décrypte et que les gens viennent commenter, ça vous arrange non? Ou que je mets, ça vous arrange non? Ah, maintenant je coupe là où on met sur le mur. Va prendre ma chérie. Toi, comment tu pues des aisselles? Tu comprends non? Quand on voit même seulement ton visage là, on sent que ton va arriver dans tes aisselles, c'est la magie. Je te dis, ça me tait. Ça me tait. Ouais, j'irai, assume-toi ma chérie. Sors de là où tu es, mets tes photos sur ta page, nous on va venir regarder. À l'instant T, je sais que tu es en train de m'écouter, mets tes photos sur ta page, on viendra regarder. Tu as compris avec quoi? Tu as compris avec quoi? Mets tes photos sur ta page, on viendra regarder. Tu as vu mon teint, maman? Regarde. J'ai pas de fond de teint. Tu m'as vu. Donc, quand tu me regardes là, quand toi tu me regardes, je n'ai jamais, je n'insulte pas à Moni, je n'insulte pas à des gens. Donc, quand toi tu me regardes là, je suis sûre et certaine. Je suis sûre et certaine que tu es un putoir, notoire, que même le WC, l'odeur du WC est mieux que toi, Jérès. Je suis convaincue que même celui qui partage ton lit a du mal à respirer la nuit, mais il se force de le faire. Peut-être parce que il y a un brin de quelque chose. Tu crois que tu as le monopole des insultes? Tu penses que toi, tu peux insulter? Tu es une déchet de la nuit. Je dis bien que même Isaac, comme la poubelle, est mieux que toi. Tu es qui? Tu es quoi? Une moins que rien. Une écervelée. Manque d'éducation de base. Tu as été éduqué où? Tu penses que le fait que toi tu viens insulter des gens dans les lives des gens, tu crois que ça te donne le monopole de parler à n'importe qui? Hein? Tu crois que ça te donne le droit de venir parler à la Black Beauty?
Tu crois que ça te donne le droit de venir parler à la blabusser? Tes insultes de bas quartier? Tu as quoi dans la tête? Tu as quoi? Quand les gens essayent d'avoir un cerveau pour pouvoir élever le niveau, mais toi, ton cerveau descend dans la boue et ta place est en bas. Tu peux insulter qui? Tu peux insulter qui? Une raclure, une bêtise humaine, une analphabète. Tu peux insulter qui? J'ai quelque chose à te prouver, toi. C'est pas parce que des gens décident de ne plus entrer dans la boue hein, que tu penses que toi, tu peux venir te mettre à insulter des gens. Hein. Quand tu me regardes là, j'ai faim. J'ai l'air d'une personne qui est sur Facebook en train de chercher des abonnés pour manger. Hein? J'ai faim. Le jour où je viendrai cogner à ta porte pour te dire que viens ou que contribue, tu comprendras. N'importe quoi. N'importe quoi. Elle est cruelle à boire. Bois de l'eau, ma chérie. Pose ton verre, bois un peu d'eau. Je suis lieutenant mon œil. Lieutenant mon œil. C'est ton niveau. C'est tout ce que toi tu as appris. Qu'on entend ce qui sort de ta bouche. Hein? Qui sur Facebook est saint? Tu devrais avoir honte. Tu dois avoir honte. Quand je l'ai appelée, elle m'a dit que... Donne dans tout ça là, Coco. Tu es en train de parler, tu ne sais même pas de quelle robe il s'agit. Seigneur. Ouais, maman. Pose même d'abord la question. Et elle aussi, la Donkoff. Celle qui veut se faire passer pour une femme qui est très intelligente. Celle qui veut se faire passer pour une femme qui est très intègre. Hein? Celle qui veut se faire passer pour une femme qui est très intègre, elle va reprendre comme lui. C'est la robe là. Eh, mes soeurs, ayez un peu de... Blabi, tu sais pas les formes que tu as achetées. Tu as acheté la robe, pas les formes. Tu dis, ils arrogent à ton passant qu'on est. Ils arrogent à des personnes qui ont des gorilles. Elle te semble à quoi? Maman, si personne porte ça, tu vas voir si la personne. Maman! Maman! Tu vas avoir envie d'acheter, mais tu as la blabouti là. Continue à faire ce que tu fais là. Je vais couper ou on t'insulte, je vais poster sur ma page. Tu m'insultes, je mets ma caméra. J'ai dit que, maman, tu dis que la robe que j'ai achetée, c'est Isaora. Maman, Isaora mettait les belles robes, non? Les robes étaient bien, non? Où est le problème? Tant que je suis bien dans ma robe, en quoi ça vous dérange? Que ce soit la verte ou que ce soit celle que j'ai postée dimanche, what is? En quoi ça vous concerne? Le plus important, c'est que je sois belle. Le plus important, c'est que je sois élégante. Le plus important, c'est que ce jour-là, quand on m'a vu, on m'a dit que waouh, Blabi, tu es belle. C'était ça. C'est tout. Je te lave propre. Je suis la descendante de. Oui, de papa Lewat. De papa Lewat. Je suis la descendante de papa Lewat comme ça, aucune personnalité. Je te dis, je connais ma fille Lewat. Elle dit que, maman, vous cherchez tellement. Je ne suis la descendante de personne. Je suis moi-même. Vous avez compris avec quoi? Pourquoi tu as dit que si je te reprends, tu vas me laver? Maman, lave-moi jusqu'à. Tu mets le sel, tu mets le beurre, tu mets le cul, tu mets le nom, tu mets tout ce qui va avec et tous les jours. Vous avez mal. Je suis ce que je suis. Je viens de quelque part. La famille des gens, laissez la famille des gens respirer. C'est quoi votre problème? Qui vous a raconté? Moi, je suis venu ici un jour vous dire que j'étais quelqu'un. Je suis un jour venu ici vous dire que j'appartiens à telle personne. Non. Le jour où je viendrai m'asseoir pour vous dire ça. Servez-vous de ça. Hmm? Luz Gloria vous a dit en commentaire, vous n'avez pas lu. Lisez les commentaires de Luz Gloria. Ok?
Je connais ma fille, Lewat. Elle est respectueuse, elle n'est pas dans la bouillabaisse. Ah, elle ne fait pas ce que la Black Gucci est en train de faire. Je suis ma fête, je manque de respect. Normalement, elle dans ses histoires des églises parce qu'elle avait créé sa page qui parlait de Dieu. Mais je parle de Dieu quand je parle. Elle ne connaît plus Dieu. Mais ça allait d'avance. L'autre a dit de la voiture. Moi, je suis contre tout ça là. Ok? Voilà. Laissez ça. Lavez-moi, rincez-moi, déchiquetez-moi. Il n'y a pas de souci. Est-ce que depuis que je vous parle là, je vous ai parlé de quelque chose, de vos enfants, des familles, de ceci, de cela? Si j'ai parlé de l'enfant, Coco, c'était pour te dire que moi, le jour où, comme Marthe m'a lavé, c'est parce que je défendais ton enfant. C'est tout. Je disais que non, elle ne devait pas insulter ton fils. Elle ne devait pas insulter un bébé innocent. C'est tout. En dehors de ça, tu m'avais dit quoi? Donc vous n'avez rien d'autre à faire. Vous n'avez rien à dire. Ben, les gens sont graves. Hein. La dame qui vend même les produits là, qui prend dans le cadre de faire sa publicité. Sa publicité que donc...